Depuis notre tout premier thread horreur, il y a une question qu'on se pose. Une question à laquelle on n'a jamais eu de réelle réponse. Comment est-ce que des personnes peuvent agir de la sorte? Qui sont ces gens qui en poursuivent d'autres une fois la nuit tombée? Et surtout, sommes-nous réellement en sécurité? Lire ces témoignages n'est jamais facile, mais c'est ce que l'on fait, pour le meilleur comme pour le pire. Vous le savez, notre but n'a jamais été que de vous divertir. On vous le répète depuis le début, soyez prudents, mais pas parano. Enfin, peut-être que parfois, vous devriez l'être. Ok, avant de vous raconter ce récit, si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous aider, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça prend littéralement le temps de 2 clics en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça nous aide grandement, merci beaucoup. Cette histoire se déroule dans une petite ville tranquille en France. Maria, âgée de 13 ans, est une jeune passionnée de lecture. Chaque samedi, c'est un rituel pour elle. Elle quitte le bus avec son sac à dos rempli de livres et se dirige vers la bibliothèque. Son visage s'illumine dès qu'elle entre dans cet havre de savoir, prête à passer des heures plongées dans des mondes imaginaires de romans. Et une fois son après-midi poussée à lire, elle repart à nouveau avec son sac plein d'emprunts, vraiment c'est son kiff. Et un jour d'hiver, alors qu'elle traverse un passage piéton pour se rendre à la bibliothèque, comme à son habitude, une voiture s'arrête pour la laisser passer. Maria, reconnaissante, remercie abondamment le conducteur, mais ce dernier ne réagit pas. Sans comprendre pourquoi, sachant qu'elle a bien insisté, elle continue son chemin. Mais peu de temps après, une voix masculine se fait entendre depuis une voiture qui passe à côté d'elle. Et la personne en question est carrément en train de gueuler en lui demandant si ça va. Ignorant l'appel et se mettant à stresser, elle garde le cap. Cependant, la situation prend une tournure inquiétante lorsque la même voiture tourne brusquement au coin de la rue, feu de recul allumé. Maria se rend alors compte, pour de bon, que quelque chose cloche. Bon, malgré son malaise, elle continue à marcher, mais le conducteur l'interpelle à nouveau. Il lui dit clairement et froidement « Je t'ai posé une question ». Son visage peu expressif le rend très effrayant, et ses yeux la fixent intensément. L'homme, qui visiblement est plus âgé, tente d'engager une conversation avec Maria, qui répond de manière évasive, consciente de la situation inconfortable dans laquelle elle se trouve. Son cœur bat la chamade, et elle sent une boule se former dans sa gorge. Au fur et à mesure de la discussion, il insiste pour qu'elle se rapproche de lui, mais elle refuse catégoriquement. Finalement, et sous le poids de la pression, elle cède et avance timidement, se positionnant à égale distance entre la voiture et sa position précédente. Son seul but est en fait de se rapprocher assez pour qu'il arrête d'insister, tout en restant assez loin pour pouvoir fuir en cas d'attaque. En plus de ça, elle le voit, il n'y a personne d'autre dans la rue. Et malgré ses supplications, Maria refuse obstinément de monter dans la voiture. Elle commence à prétexter des excuses pour justifier son départ imminent, en disant qu'on l'attendait et qu'elle devait rentrer, mais l'homme, bien forceur, persiste à vouloir prolonger leur échange, et il se montre de plus en plus menaçant. Maria, consciente de son jeune âge et de la dangerosité de la situation, commence à faire plein de calculs dans sa tête. La bibliothèque n'est qu'à 100 mètres, et sa maison ainsi que le prochain arrêt de bus sont maintenant beaucoup trop loin. Au bout d'un moment, l'homme perd patience, et intime à Maria de monter immédiatement dans sa voiture. Devant son ultime refus, il lui demande son numéro de téléphone, ce à quoi elle répond qu'elle est trop jeune pour en avoir. Et juste après ça, et avec une grosse boule dans la gorge, elle part très rapidement tout en espérant ne pas être suivie. Elle arrive finalement à la bibliothèque, mais cette fois-ci, son esprit est troublé par ce qui vient de se passer. Elle se sent vulnérable et secouée, incapable de se concentrer sur les pages du livre qu'elle feuillette. Et on la comprend, surtout qu'elle est vraiment jeune. Bref, la journée passe et le soir venu, alors qu'elle attend à l'arrêt de bus, un sentiment de honte l'envahit. On est d'accord, elle n'a rien fait et c'est complètement irrationnel, mais elle regrette d'avoir continué la conversation et de l'avoir laissé s'éterniser. Cependant, plutôt que d'appeler sa mère, elle se tourne vers une vieille amie à elle, à qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Parce que oui, elle avait menti au mec chelou. Elle avait bel et bien un téléphone. Maria se dit que c'est l'occasion de l'appeler en rentrant, de renouer contact, tout en racontant son histoire à une connaissance trop vite oubliée. Mais alors qu'elle raconte d'une voix tremblante son récit à son amie, une voix familière la tire de ses pensées. Elle lève les yeux et voit l'homme en question, toujours dans sa voiture, qui passe devant elle. « Je savais que t'avais un téléphone. » Il lance cette phrase d'un ton neutre et en la fixant toujours dans les yeux,
et ne prend même pas la peine de s'arrêter. Maria comprend la situation et elle est transie de peur. L'homme l'avait donc attendue pendant près de 5 heures. Elle regarde la voiture s'éloigner dans la nuit tout en se demandant ce dont il était vraiment capable et s'il allait la suivre jusque chez elle. Finalement, elle n'aura jamais la réponse à ses questions. Elle mettra même 5 ans à parler de cette histoire à sa propre mère. En repensant à cet épisode, Maria réalise qu'elle a mis du temps à accepter qu'elle n'était pas du tout responsable de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, même si elle en rit presque, elle se demande encore si l'homme est toujours en liberté et s'il a fait des victimes. Cette histoire se passe dans les souvenirs de notre protagoniste. Dans un petit quartier calme où les journées semblent toutes identiques, Karim et son père emménagent alors qu'il a environ 6 ans dans une nouvelle demeure. Et ça tombe très bien parce que leur maison se trouve à proximité de l'école à environ 1 demi-kilomètre, une distance qu'ils parcourent à pied chaque jour. Pour comprendre l'histoire qui suit, il est crucial de décrire la rue menant à l'école. Dans cette fameuse avenue, une haie borde la route, cachant une barrière grillagée où il y a un tout petit trou, invisible depuis l'extérieur. Mais ce trou en question est quand même suffisamment grand pour qu'un petit chien puisse le traverser. Et de l'autre côté de cette barrière s'étend un sentier de randonnée reliant deux parcs voisins, un détail qui prendra toute son importance plus tard. Bref, chaque jour depuis des mois, Karim se rend à l'école vers 6h du matin et rentre chez lui vers 17h30. Étant donné qu'il rentre seul, il a à force pris l'habitude de reconnaître les parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Bref, en soi, tout est banal. Mais un jour en particulier, alors qu'il sort de l'école comme tous les jours, quelque chose d'inhabituel attire son attention. Un homme se tient à l'écart, observant intensément les parents et les enfants. Sans trop y réfléchir, mais trouvant cela étrange, Karim se hâte de rentrer chez lui. Après tout, on imagine que vous non plus, vous ne vous arrêtez pas au premier inconnu venu dans la rue. Mais ce qui est particulier avec lui, c'est qu'au fil des jours, Karim voit que l'homme est toujours là, devant l'école, à chaque sortie des élèves, et qu'il semble tous les scruter avec attention. Bon, là, ça devient clairement bizarre, étant donné qu'aucun enfant ne rentre jamais avec lui et qu'il se tient toujours à l'écart. Et Karim n'a donc qu'une seule intention à son égard, c'est celle de l'éviter le plus possible. Il entame donc le plus rapidement possible son retour à la maison. Et pour ça, comme toujours, une petite marche d'environ 15 à 20 minutes s'impose, qui est habituellement paisible. Mais ce jour-là, un sentiment d'observation pèse sur lui, et il le ressent même malgré son jeune âge. À mi-chemin, sentant que le sentiment ne le quitte pas, il s'oblige à regarder derrière lui, et voit l'homme. Ce dernier porte maintenant une veste, des gants et un pantalon noir. Il tient également quelque chose dans ses mains, mais dans l'obscurité croissante, Karim ne peut l'identifier. Là, il est clairement mort de peur, surtout que plus personne d'autre n'est présent. En plus, on est en plein hiver et il sait que bientôt, la nuit noire va se dévoiler. Et donc, dans un ultime recours pour vérifier ses craintes, Karim bifurque soudainement à gauche, changeant de direction à plusieurs reprises, jusqu'à carrément tourner en boucle. Et chaque fois, l'homme suit ses pas. C'est confirmé, il le poursuit bel et bien et il prépare son coup depuis longtemps. La terreur grandit en lui alors que l'inconnu se met à franchement presser le pas, se rapprochant dangereusement. Et face à cette menace imminente, Karim cherche désespérément une issue, il en a plus pour longtemps et il le sait. Il ne peut pas se mettre à courir parce qu'à ce moment-là de sa vie, il n'a pas vraiment une bonne condition physique et son cardio est vraiment faible. Mais soudain, il se souvient alors du trou dans la barrière grillagée, mais comme il fait presque nuit et qu'il est en pleine course, il est quand même très difficile de deviner sa position exacte sans éveiller les soupçons de l'homme. Mais heureusement, il parvient vite à le trouver et Karim se lance dans la haie, ignorant les ronces et les épines qui le lacèrent. Le trou est bel et bien là, mais trop étroit pour son corps en léger surpoids. L'homme est maintenant en train de lui courir après. Karim sait qu'il n'a plus que quelques secondes. Et enfin, après un ultime effort, il parvient à se frayer un passage juste à temps. De l'autre côté de la barrière, en sécurité, Karim peut enfin distinguer l'objet dans les mains de son poursuivant. Il s'agit ni plus ni moins que d'un couteau de chasse. L'homme, frustré et prêt à tout, n'en a pas fini. Il s'engouffre à son tour dans le trou et tente de le suivre à travers la haie,
Mais heureusement, il est vite piégé par les ronces. Karim comprend donc que c'est sa dernière chance et il sprinte alors jusque chez lui, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Une fois en sécurité et étant certain que l'homme n'est plus à ses trousses, il raconte tout à son père qui appelle immédiatement la police. Mais malgré leur intervention, l'homme a complètement disparu, ne laissant derrière lui que le couteau de chasse abandonné dans sa fuite. Ok, cette histoire est longue et intense, on préfère vous prévenir. Elle est racontée par Edouard et aujourd'hui il a réussi à franchir le cap de nous la partager sur les conseils de son ami. Et les faits se passent en France le 27 juillet 2018. Ce jour-là, Evan se rend à l'anniversaire d'un ami qui habite à environ une quinzaine de minutes en voiture de son domicile. À ce moment-là de sa vie, il est chez ses parents et ceux-ci ont pris des vacances pour se ressourcer, le laissant donc avec la seule compagnie de Shana, son chien. Il se prépare donc pour aller à cette soirée, veille à ce que Shana ait à boire et à manger, et que toutes les entrées sont fermées avant son départ. Sur le trajet, il s'arrête pour prendre son ami Karl, qui habite à seulement 2 petits kilomètres de chez lui, soit 3 minutes en voiture, et ensemble, ils partent en direction de chez leur ami Jean. Il est environ 19h quand enfin, ils arrivent chez lui. Pour faire très simple, l'anniversaire se passe jusqu'à 21h, et il réunit la plupart de leurs amis d'enfance et de lycée. Au total, ils sont une petite douzaine. Le début de soirée se passe très bien, ils fêtent comme il se doit l'anniversaire de leur ami, chose normale me direz-vous, mais il faut aussi savoir que ce sont des gens que Evan voit très rarement dans sa vie quotidienne. À cette époque de sa vie, il n'avait pas vu ses amis depuis environ 6 mois à cause d'un événement personnel qu'il préfère ne pas dévoiler, et donc il est extrêmement heureux d'avoir pu rejoindre cette petite soirée. Les discussions s'enchaînent de manière fluide, et finalement arrive la fin de la soirée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. 21h, son ami Jean informe l'ensemble des invités qu'il souhaite continuer la soirée en allant manger quelque part. À cet instant-là, et pour être tout à fait honnête, Evan est vraiment très peu motivé par l'initiative, comme la plupart des autres invités. Mais rapidement, il consent à faire un effort pour Jean. Tout le monde s'organise pour faire le voyage à plusieurs et ne pas prendre 12 voitures différentes, avec pour destination un McDo situé à environ 25 km de là où il se trouve. Evan décide de prendre sa propre voiture de manière à ne pas devoir compter sur quelqu'un d'autre pour le ramener chez lui, ne voulant pas laisser Shana enfermée trop longtemps. Karl et Edgar, un autre ami, décident de monter dans sa voiture et ensemble ils se rendent au fameux restaurant. À cet instant précis, Evan n'a vraiment aucune idée de l'heure qu'il est. Il est simplement dans l'euphorie de la soirée et ça lui fait un bien fou. Les mois précédents ont été particulièrement durs pour lui et l'avait un peu forcé à se renfermer sur lui-même. Bref, une fois arrivé sans encombre, le repas passe assez vite. Et finalement, Jean se lève de table, complètement enjoué, et invite tout le monde à le suivre jusqu'à une boîte de nuit qui, cette fois, n'est vraiment pas à côté. Depuis leur localisation, la boîte de nuit se trouve à 30 km, soit 25 minutes de trajet, sauf que Evan calcule rapidement dans sa tête par rapport à la maison de ses parents. Et il se rend compte que c'est à environ 40 km, sans compter qu'il doit ramener Karl. Pour lui, la décision est donc vite prise, il n'ira pas finir sa soirée à la boîte de nuit. La plupart des gens semblent étonnés par son choix, surtout Jean, qui insiste pour qu'il vienne, mais la distance et l'ambiance confirment son choix. N'étant pas non plus très en phase avec la proposition, Karl et Edgar décident également de rentrer avec lui. Et donc le petit groupe rentre enfin dans la voiture de Evan. Edgar est assis à la place passager et Karl, légèrement plus fatigué, est allongé à l'arrière. Durant le trajet, Edgar, qui habitait dans le même endroit que Jean, décide que pour lui économiser de l'essence et ne pas le fatiguer, il dormira chez Karl et qu'il entrera chez lui le lendemain. Bon, le trajet se passe tranquillement, il se raconte beaucoup de conneries, probablement à cause de la fatigue. L'ambiance à l'intérieur est plutôt calme, tout le monde parle à voix basse et le débit de parole vient à rapidement se tarir à mesure qu'ils avancent vers la maison de Karl. Pour expliquer très vite fait la configuration, Karl habite dans un village très proche de chez Evan. Il y a tout un chemin précis qui mène au niveau du panneau d'entrée du village qui se trouve derrière deux bennes à ordures. Une fois ce panneau passé, il reste quelques dizaines de mètres et la maison de Karl est littéralement en plein milieu de la place du village. Evan est exténué. Il est sur la dernière et grande ligne droite avant le panneau d'entrée. Ses comparses sont dans un état similaire du sien, à la limite de s'endormir pour Karl, mais un détail va vite mettre en alerte toute la voiture. Et pas un moindre détail. Evan voit tout simplement des phares de voiture briller après le virage en feu de route, donc qu'on voit bien de loin et qui éblouit les trois potes. S'engageant dans le virage, il commence à ralentir pour se mettre à 50 km/h et préparer l'entrée dans le village. Ils arrivent enfin à hauteur de la voiture, immobiles et de leur côté, les phares tournés en plein dans leur visage
et la première pensée d'Evan est de drastiquement ralentir pour se mettre à 10 km/h. Instinctivement, il pense au pire, un accident ou simplement que le conducteur est bloqué dans le fossé, et donc en bonne âme, il s'arrête au milieu de la route. La voiture est vieille et blanche et assise sur le capot, une silhouette sombre qu'ils ne peuvent pas distinguer. La présence est assise comme quelqu'un qui serait assis au bord d'une piscine, totalement serein. Evan parvient à distinguer que c'est un homme qui se situe dans la trentaine et qui a l'air assez banal, bien que peu commode. Par contre, un peu chelou, il est torse nu malgré la fraîcheur du soir. Edgar descend la vitre de son côté et commence à demander à la personne si tout va bien, s'il a besoin d'aide ou non. Et là, l'homme descend doucement de sa voiture, avance silencieusement vers son ami qui l'interpelle, et c'est alors que le regard d'Evan et du mec se croisent. Il voit l'intérieur de ses yeux et son instinct lui hurle qu'il fait face à un danger. D'une main, il remonte la vitre passager d'Edgar et de l'autre, il passe la première en faisant lentement avancer la voiture sur la route pour s'éloigner lentement de cet individu flippant. Il garde également son regard dans le rétroviseur pour surveiller sa réaction, anticipant le pire, mais rien ne se passe. Il était vachement bizarre ce gars. Edgar est aussi interpellé que ses potes et joint son regard dans le rétroviseur. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il fout à moitié à poil dans un coin aussi perdu? Carl aussi est tendu et ne comprend pas du tout la situation. Le gars, on lui demande si ça va, s'il est en panne et tout, et il nous a même pas répondu. Bref, tout ceci est finalement passé et il se trouve littéralement qu'à 30 secondes de chez Carl. L'ambiance est refroidie et tout le monde se pose des questions. C'est alors que Carl, dans l'euphorie du moment, lance une blague qui, sur le coup, fait beaucoup rire Evan. Eh, s'il faut, il est en train de balancer un cadavre dans la poubelle. Bref, finalement arrivé, Evan se gare sur la place et ses deux amis descendent de la voiture. Ils discutent pendant quelques minutes et finalement se séparent. Evan monte dans sa voiture et l'idée de devoir repasser devant ce type pour rentrer chez lui sonne de plus en plus comme une idée foireuse. Mais étant complètement crevé et n'ayant aucune envie de faire un gros détour, Evan démarre sa voiture et fait demi-tour, signant la plus grosse erreur de sa vie. À l'entrée du virage, l'homme et sa voiture sont toujours là, comme à leur arrivée. Mais à un détail près. Les portes arrière de son véhicule sont ouvertes, de même que le couvercle d'une des bennes, et Evan le voit littéralement jeter un énorme sac poubelle blanc bien chargé. Puis un deuxième, puis un troisième. À ce moment-là, son corps agit de par lui-même, et son esprit rentre dans une totale psychose. C'est pas possible, t'es en train d'halluciner Evan, t'es en train de vriller sévère même. En arrivant à la hauteur de la voiture, il constate qu'elle est remplie d'encore une dizaine de sacs similaires. Leurs regards finissent par se croiser, il s'écoule à peine quelques secondes, et là le gars se met à hurler de rage sans aucune raison. Il expédie le sac qu'il tient dans ses mains dans la benne à ordures, referme ses portes arrière et se met à poursuivre Evan. Sans perdre une seconde, ce dernier enfonce son pied sur l'accélérateur et monte jusqu'à 130 km/h sur la longue ligne droite, espérant le semer le plus rapidement possible. Après un ultime virage, il arrive enfin devant chez lui et éteint ses phares, le moteur et baisse son siège sans réellement réfléchir. À ce moment-là, il se dit qu'il est juste complètement parano et qu'il est même ridicule. En fait, s'il faut, ce type était complètement ivre ou drogué, mais pas réellement dangereux. Mais au fond de lui, son instinct est clair. Il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit anodin. Et effectivement, une dizaine de secondes plus tard, il voit les phares pointer depuis le virage. Sans perdre de temps, il attrape son téléphone et compose le numéro d'Edgar et lui raconte toute la situation. L'individu s'arrête à quelques mètres de la maison d'Evan, littéralement à sa recherche. Le jeune homme est littéralement tétanisé, dissimulé au mieux et il le voit sortir de sa voiture en hurlant. Il semble complètement fou de rage, claque violemment sa portière, donne un coup de pied dans son véhicule et pousse un hurlement. D'un coup, il s'en prend au panneau à côté de lui et se lance dans un déferlement de coups de poing contre le poteau. Vraiment, le type est très dangereux. Evan est abasourdi par la scène. Il essaye de tenir au courant Edgar, mais peine à formuler ses phrases. Et alors qu'on pense actuellement que la situation ne peut pas être pire, l'univers semble s'acharner sur lui. Le type a maintenant son regard dirigé vers lui. Reconnaissant probablement sa voiture, il s'approche lentement. Evan se sent acculé et sort en dernier recours son couteau de la boîte à gants. Sans réfléchir, son cerveau bascule en mode instinct et il sort de la voiture le couteau dans une main et le téléphone dans l'autre. Il se met également à hurler qu'il est en ce moment même au téléphone avec la police, qu'ils sont en chemin et qu'il n'hésitera pas à le planter. Evan est complètement transi de peur et se demande si l'individu va s'en rendre compte. Mais après quelques secondes à se dévisager, le gars retourne lentement vers sa voiture, disparaissant dans la nuit. Evan s'écroule au sol, adossé à sa voiture.
Il se met à pleurer toutes les larmes de son corps sous le poids du stress, et Edgar, qui est à l'autre bout du fil, tente son maximum pour le rassurer. Le lendemain, il est allé faire une déposition à la police, sans grand espoir que cet homme soit retrouvé. En soi, il n'avait qu'une vague description de lui, de son véhicule, mais aucune plaque pour étayer sa plainte. Evan a quand même demandé aux agents de fouiller les poubelles, mais apparemment aucun corps n'a été retrouvé, ni rien d'illégal, heureusement. Et encore aujourd'hui, même s'ils en rigolent avec ses potes, Evan se demande ce que cet homme lui voulait et ce qui se serait passé si devant sa voiture, il s'était arrêté. Dès le départ de cette histoire, Sophie tient à préciser que cet incident fait partie des rares qui l'ont vraiment marqué. Et même s'il s'est déroulé en janvier de l'année précédente, il continue de la hanter la nuit. Pour elle, elle nous l'avoue, il semble quand même surréaliste que tant de choses étranges arrivent aux gens du quotidien, notamment à travers les threads d'horreur, et elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse lui arriver à elle. Mais bref, au moment où se passe l'histoire, Sophie est à l'étranger pour ses études universitaires, et pour le moment, elle ne ressent vraiment que du positif. Rien ne l'a jamais vraiment dérangée ou mise mal à l'aise dans son nouveau quotidien, et en fait, elle kiffe carrément son expérience. Elle vit dans un quartier relativement peuplé, avec beaucoup de jeunes femmes dans son immeuble, ainsi que des femmes plus âgées. Elle se sent donc en sécurité chez elle, et même si ça devrait être normal, pour elle, c'est un grand luxe. Se promener dans les rues est également sûr, car il y a toujours du monde autour, avec des immeubles, des parcs, des maisons, également des supérettes ouvertes H24 et même des petits cafés. Sophie nous indique qu'il y avait également un motel. Bref, ça donne une idée assez précise du quartier où tout semble paisible. Bien que l'université dispense tous les cours en anglais pour les étudiants étrangers, Sophie veut quand même apprendre la langue par respect et pour vivre la culture locale. Et donc, elle s'amuse beaucoup et s'est fait déjà pas mal d'amis depuis son arrivée. Et un beau jour, dans son quotidien tranquille, elle décide de se rendre à une supérette depuis le campus. Ce soir, elle est particulièrement étourdie et fatiguée après sa longue journée. Il est environ 20h et le dernier cours a déjà pris fin un moment auparavant. Mais comme elle a du temps libre, chose plutôt rare d'ailleurs, elle en profite pour découvrir un peu la ville. Sophie connaît déjà bien le quartier et se sent assez confiante quant aux itinéraires et tout le reste pour se rendre à la supérette. Au fil du temps, elle a appris à reconnaître la grande route principale avec quelques terrains déserts sur la droite, mais rien de bien inquiétant. C'est un quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus banal, et Sophie peut même entendre du bruit venant de quelques maisons, donc elle est en pleine confiance. Mais c'est justement là que ça devient un peu bizarre. Il y a certes un tas de maisons, mais en continuant de marcher vers la ville, il y a cette zone entièrement isolée avec juste la route et des lampadaires. La supérette est quand même à environ 4 km, ça fait une sacrée trotte. Et sans trop savoir pourquoi, Sophie se sent mal à l'aise et devient d'un coup très nerveuse. En fouillant dans sa mémoire, elle se rend compte que c'est certainement à cause d'un incident qui lui était arrivé plus tôt dans sa vie. Alors, moins rassurée, elle décide de s'arrêter pour regarder autour d'elle. Il n'y a tout bonnement rien, mais Sophie se met à courir tout en regardant sur les côtés et derrière elle, un peu parano. La solitude lui pèse trop et elle sent que quelque chose est sur le point d'arriver. Et c'est bien le cas de le dire, parce qu'à peine 30 secondes plus tard, elle entre en collision avec quelqu'un. Directement, un sentiment de peur la submerge et ses cheveux se dressent sur sa tête. Ses paumes se mettent à trembler et elle ne lève même pas la tête pour voir qui c'est. Sophie commence à s'excuser frénétiquement tout en reculant simultanément. Elle ne le sent pas du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est foutre le camp de là le plus rapidement possible. Mais l'individu en face d'elle se met à agir très bizarrement. La personne devant Sophie commence à marcher dans sa direction en petits pas et commence à bouger en faisant des mouvements étranges, très difficiles à décrire en soi. C'est presque comme dans un dessin animé et pendant qu'elle se rapproche de Sophie, la personne dit juste « Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que... Tu vas bien ?» Bon, on est d'accord avec vous, ce n'est pas du tout clair et c'est difficile à se représenter, mais Sophie décrit la personne comme ayant un ton très moqueur et dangereux. Et d'ailleurs, elle dit « personne » car impossible pour elle de voir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Son visage est totalement couvert par un masque et il porte un grand sweat à capuche. Sa voix est également très étrange, un peu étouffée, mais ne sonne ni masculine ni féminine. Et d'un coup, sans crier gare,
la personne commence à l'insulter et à se balancer devant elle tout en fouillant dans sa poche de pantalon. Sophie voit directement que l'individu est en train de sortir quelque chose de brillant et son instinct qui avait jusque-là disparu se réveille enfin. Elle saisit la chance et court le plus rapidement possible hors de cet endroit maudit. Elle arrive enfin à la supérette et raconte au vendeur sa rencontre, aussi bizarre qu'elle soit. Ensemble, ils appellent la police qui arrive rapidement. Mais tout ce qu'ils trouvent sur place, c'est les deux chaussures de l'individu au même endroit où elle l'avait rencontré et son masque par terre. Sophie n'a jamais su qui c'était, ce qu'il lui voulait et comment elle ne l'avait jamais aperçu en se baladant dans le quartier. Ce dernier qui lui semblait si calme et dénué de tout malheur sonne maintenant complètement différent à ses yeux. Mais aujourd'hui, elle est contente d'être en sécurité. Et bien que cela se soit passé il y a un an, elle a toujours l'impression de ne pas être complètement safe chez elle. Elle ne sait pas vraiment s'il s'agit de paranoïa ou de quelque chose d'autre, mais elle a un mauvais pressentiment depuis le début du mois où elle nous raconte cette histoire. Même lorsqu'elle se trouve avec d'autres personnes ou à la maison avec son petit ami, elle a constamment l'impression d'être aujourd'hui surveillée et que quelque chose est sur le point d'arriver. Ok, vous êtes prêts? Cette histoire est courte et intense. Ça s'est passé il y a environ 5 ans, mais les faits continuent encore aujourd'hui de mettre mal à l'aise Sonia, qui nous livre son témoignage. Lorsque tout se passe, elle avait alors 18 ans et aujourd'hui elle en a 23. À cet âge, alors qu'elle a un job et est en colocation, sa vie est vraiment tranquille. Et un soir, alors qu'elle rentre du travail après une journée de dur labeur dans un petit resto de pizza du coin, elle emprunte son chemin habituel pour rentrer chez elle. Il est aux alentours de 22h15 et il fait super sombre, comme assez souvent dans les séries d'horreur au final. Alors que Sonia remonte tranquillement la rue et se trouve à environ 100 mètres de là où elle habite, une camionnette blanche tourne dans cette même rue. Bon, rien de suspect en apparence, mais quelque chose ne lui plaît pas. Sans trop savoir pourquoi, elle retire ses écouteurs et met sa musique en pause. Après ça, elle descend la rue pour arriver devant sa maison, et plus elle se rapproche, plus elle ressent un étrange pressentiment. Sonia lève les yeux de son téléphone sur le point d'envoyer un message à sa colocataire qui était en déplacement à ce moment-là pour lui dire qu'elle était presque arrivée. Alors qu'elle n'est plus qu'à environ 15 mètres de son foyer, elle essaye de se détendre un peu. Mais lorsque son message est envoyé, elle lève les yeux et c'est là qu'elle remarque la camionnette blanche garée devant sa maison. Et ce qui la percute directement, c'est l'homme à l'intérieur qui la fixe du regard. Son visage est éclairé dans la nuit par la lumière jaune de sa cabine. Il a les cheveux bruns, des lunettes et une barbe, et il plonge son regard dans celui de Sonia. Les phares de sa camionnette sont éteints, mais sa voiture est allumée, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention tout en étant prêt à partir le plus vite possible. Sonia est clairement morte de peur. Elle comprend qu'il se passe quelque chose d'étrange avec cet homme qui est posté juste devant chez elle. Si elle essaye de rentrer, elle va forcément devoir passer à proximité et ça, c'est hors de question. Elle prend donc la décision de s'arrêter et se place dos à un arbre devant le jardin voisin et reste plantée là. Malgré l'intimidation qui la submerge, elle s'efforce de maintenir un contact visuel avec cet homme pour être sûre de ne pas le perdre de vue. Et après ce qui semble avoir duré une éternité, quand même bien 5 bonnes minutes, il commence enfin à rouler vers le panneau stop au bout de la route. Mais Sonia ne lui tourne toujours pas le dos. Elle reste adossée à l'arbre et garde un œil sur la camionnette pendant tout ce temps, jusqu'à ce que cette dernière s'arrête au fameux panneau stop. Mais le comportement énigmatique de l'homme persiste. Il est juste là, sans bouger, probablement pendant 2 à 3 minutes au stop. Sonia sent une énorme boule dans sa gorge, mais ne détourne pas le regard, toujours contre l'arbre. Finalement, l'homme tourne à droite, pile dans cette direction d'où elle rentrait, et après 20 secondes de vérification pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre, elle sprinte le plus vite possible jusqu'à sa maison. Sonia rentre rapidement et verrouille directement la porte derrière elle. Tout de suite, elle va à la fenêtre et regarde discrètement à travers les stores sans allumer aucune lumière. Et après quelques secondes d'observation, elle le revoit une nouvelle fois. Dans sa camionnette, l'homme remonte et descend la rue à sa recherche, puis repart. Au bord de la crise de panique, Sonia envoie un message à sa colocataire, puis lui raconte ce qui s'est passé. Elle va ensuite vérifier que toutes les fenêtres de la maison sont bien fermées, ainsi que la porte arrière et la porte du garage. N'ayant plus de nouvelles de l'individu, mais étant sur ses gardes,
elle va passer tout le reste de la soirée à se demander qui est cette personne et pourquoi il l'a fixée à ce point. Sonia se couche avec ses questions en tête, toujours sans allumer la moindre lumière. Elle n'a finalement pas fermé l'œil de la nuit, tellement elle était parano au moindre bruit ou mouvement. Après cet événement, elle n'a plus jamais recroisé la route de cet homme. Mais au fond d'elle, elle y repense chaque fois qu'elle marche seule dans la nuit. Cette histoire qu'on s'apprête évidemment à vous raconter va vous montrer qu'on ne sait jamais d'où peut venir le danger. Et si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez prendre 2 secondes pour liker la vidéo et vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide vraiment énormément. Mais bref, revenons à nos moutons. C'est une histoire qui revient souvent à l'esprit d'Ibrahim. Il ne l'a racontée qu'à quelques personnes, mais il pense vraiment qu'il mérite sa place dans la catégorie des récits qui font vraiment froid dans le dos. C'est d'ailleurs certainement l'un des moments les plus effrayants qu'il ait jamais vécu. Quand Ibrahim avait environ 10 ans, sa mère a finalement décidé qu'il était temps pour elle de commencer à passer son permis de conduire. Et au début, elle avait vraiment du mal. Pour cette raison, son père a décidé de s'entraîner avec elle en dehors des leçons de conduite officielles avec son instructeur. En soi, c'était juste pour être sûr qu'elle réussirait à l'examen à la première tentative. Et à cette époque, Ibrahim et son petit frère suivaient des cours de natation dans la piscine d'une université. Et derrière une zone boisée près de cette université, se trouve un vaste parking pour les étudiants entouré d'arbres qui s'avère être pratiquement vide tous les week-ends. C'est donc le bingo de la tête du père d'Ibrahim qui voit l'occasion en or de faire conduire sa femme ici pendant un moment. Et bien entendu, ce fameux soir, ils ont emmené Ibrahim et son petit frère car ils étaient trop jeunes pour rester seuls à la maison. Anticipant l'ennui à venir, Ibrahim a quand même pris soin de prendre un ballon de foot avec lui au cas où. Bref, la petite famille arrive enfin sur le parking plus tard dans la soirée et les parents d'Ibrahim commencent leur pratique. Comme prévu, Ibrahim et son petit frère se font chier sévère, c'est vraiment barbant à souhait pour eux, et très vite, ils demandent innocemment s'ils peuvent aller jouer au foot sur ce petit terrain en herbe situé sur le côté du parking. Et les parents acceptent très vite, puisqu'ils pourront toujours garder un œil sur eux de là où ils se trouvent. Tout contents, les deux frères s'y dirigent et passent un très bon moment. Et après avoir joué un certain temps, les parents finissent quant à eux de conduire, mais ils se trouvent maintenant à l'autre bout du parking. Et c'est quand même environ 300 ou 400 mètres du terrain où sont Ibrahim et son frère. Soudain, de manière complètement inattendue, une voiture blanche entre dans le parking. Cette dernière se place juste à la sortie, obstruant complètement le passage. Et là, le conducteur baisse ses vitres et se présente comme étant Thomas. Il a l'air plutôt amical et c'est un bel homme jeune d'environ 30 ans. Et vous l'avez compris, c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que sur le siège passager se trouve une femme qui se couvre le visage avec un journal. Mais Ibrahim le voit bien, elle regarde toute la scène. Tout ce qu'il peut constater chez elle, c'est ses longs cheveux blonds. Et sur le siège arrière se trouve simplement un bébé assis dans un siège auto. Bref, Thomas déclare sans attendre qu'il est de la police et que Ibrahim et son frère doivent monter immédiatement dans la voiture car il devait leur parler. Son petit frère en question, crédule car très jeune, fait 2 pas vers le véhicule, mais Ibrahim sent son instinct protecteur prendre le dessus. Il ne le sent pas du tout, quelque chose sonne faux, et il tend son bras devant son frère pour l'empêcher d'avancer. La femme, quant à elle, couvre toujours son visage sans dire un seul mot. Thomas, voyant la réticence d'Ibrahim, commence soudainement à hausser le ton et leur intime cette fois sèchement de monter dans la voiture, sinon il devrait sortir et les chercher lui-même. Le petit frère et Ibrahim sont transis de peur et ils sentent leurs larmes monter aux yeux. Et soudain, la femme baisse doucement le journal, montre son visage et leur dit d'une voix presque maternelle et aussi calme que possible de juste écouter l'homme. Elle avait l'air jeune, jolie et comme une personne qui ne ferait pas de mal à une mouche. À ce moment-là, acculé, Ibrahim tente le tout pour le tout et se met à crier aussi fort que possible pour alerter ses parents. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que son père courait déjà aussi vite qu'il le pouvait vers eux. Il arrivait derrière le véhicule, donc personne ne l'avait vu. Sauf qu'il ne pouvait pas venir en voiture jusqu'à eux, car la route était bloquée de son côté. Et bien entendu, quand son père a entendu son cri, il s'est mis à hurler sur l'individu. « Hé, t'es qui toi ? N'approche pas de mes enfants !» Alors que le dénommé Thomas entend ça et réalise qu'Ibrahim et son petit frère ne sont pas seuls,
Il enclenche sans tarder la voiture et part aussi vite qu'il était arrivé. Le père d'Ibrahim arrive enfin à hauteur de ses enfants, soulagé mais furieux. Il dit directement à ses enfants de se dépêcher de revenir à la voiture et à ce moment-là, hors de lui, il ne pense même pas à appeler la police. Il veut lui-même retrouver l'individu et régler ses comptes alors que ses enfants sont en état de choc. Et donc, pendant une heure, il va rouler, essayant de le retrouver avant de revenir à la maison et de finalement appeler la police. Malheureusement, ils n'ont jamais découvert qui étaient ces personnes. Mais cet épisode a appris à Ibrahim à ne jamais juger un livre par sa couverture. Les gens peuvent être les plus sympathiques du monde en apparence et pourtant intimement penser à mal. Ibrahim n'est encore aujourd'hui pas sûr de ce que ces gens leur auraient fait, mais il est certain d'une chose, il n'était absolument pas de la police. Pour cette histoire, nous allons nous rendre aux côtés de Mathieu et de Lucie, en couple depuis pas mal de temps. Et le récit qu'elle nous raconte ce soir se passe le jour de l'anniversaire de son copain. Pour l'occasion, elle a décidé d'organiser une petite randonnée. Bon, il faut le savoir, les deux adorent marcher, et donc une petite randonnée, ça veut quand même dire une bonne marche de 5 heures. Au début, le mood est super cool, il fait très beau, les deux sont motivés, et donc ils commencent à marcher. Mais très vite, quelque chose se passe. Et le truc qui est hyper étrange avec ce début d'histoire, c'est que cette chose n'est pas un événement en soi. C'est juste que les deux individus, qui de base ne sont absolument pas superstitieux, ont un mauvais feeling. Ils ne savent pas pourquoi, mais plus ils marchent, plus ils sont anxieux. Et pas parce que la marche leur paraît trop dure ou trop longue, non. En fait, ils ont l'impression qu'ils vont faire une mauvaise rencontre. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est surtout Lucie qui ressent ça. Mathieu, lui aussi, est nerveux, mais il essaye de rassurer sa copine comme il peut. Après tout, c'est forcément irrationnel, non ? Bon, le couple continue de marcher, et ce, pendant une bonne heure. Si vous avez donc bien suivi, il reste 4 heures avant d'arriver à destination. Et à ce moment-là, le décor a bien changé. Ils ont laissé les paysages de montagne pour s'enfoncer peu à peu dans un environnement de forêt. Bon, ça reste très beau, mais l'ambiance est plus angoissante. Et alors qu'ils sont en train de marcher tranquillement, ils voient quelque chose au loin. Cette chose, c'est une cabane. Ok, c'est presque trop gros, Mathieu rationalise, il dit à sa copine qu'il n'y a forcément personne et que tout va bien aller. Mais Lucie n'en est pas si sûre. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un chemin, et donc ils sont un petit peu obligés de passer devant en soi. Plus ils se rapprochent, plus l'ambiance devient pesante. Et écoutez, il faut croire que leur instinct disait vrai. Alors qu'ils dépassent tout juste la cabane, ils entendent le bruit d'une porte qui s'ouvre. Inévitablement, le couple se retourne, et c'est là qu'ils voient l'impensable. Un homme se tient devant eux, nu comme un ver. Pour qu'on arrive à se visualiser l'individu, Lucie nous dit qu'il ressemble au personnage incarné par Tom Hanks dans Seul au monde pour ceux qui ont la ref, sauf que là, il est à poil. Mais à la limite, son apparence et le fait qu'il soit nu ne sont que des détails. Le vrai problème, c'est qu'il porte un couteau dans sa main droite. Le temps semble s'arrêter pendant les quelques secondes où Lucie et Mathieu fixent l'individu qui leur rend leur regard, et alors que le silence devient maintenant absolument pesant, l'homme le brise en se mettant à grogner. Ok, cette fois c'est beaucoup trop, Mathieu attrape le bras de sa copine et tout en la regardant dans les yeux, lui hurle de courir le plus vite possible. En un éclair, le couple se met à courir en pleine forêt alors qu'ils ont l'impression que l'homme les suit. Lucie raconte qu'à ce moment-là, elle s'est littéralement lacérée les jambes. Et après quelques secondes de sprint, il voit heureusement un petit chemin semblant mener à une route et donc il décide de bifurquer et s'arrête une fois de retour sur cette fameuse route de campagne. Et lorsqu'ils regardent derrière eux, heureusement, il n'y a plus personne. L'homme n'est plus là. Les deux individus reprennent leur souffle, ils sont complètement sous le choc, ils ne savent pas du tout ce qu'il vient de se passer. Et finalement, ils décident de reprendre leur marche pour terminer au plus vite cette randonnée. Et écoutez, ils ne recroiseront jamais cet individu. En arrivant, ils vont tout de suite au commissariat pour partager leur expérience. Mais même si la police affirme qu'ils vont jeter un œil, Lucie semble très perplexe, n'étant pas sûr du tout qu'ils vont vraiment le faire. Bref, après toute cette histoire, Lucie se rend compte que c'est quand même assez incroyable et qu'ils avaient tout de même ressenti leur mauvais feeling longtemps avant de croiser la route de cet individu chelou. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais elle n'arrive pas à s'empêcher de penser à ce qui se serait passé si elle avait croisé la route de cet homme sans son copain. «
Cette histoire, on vous prévient, est vraiment très originale. Vous le verrez, son dénouement fait vraiment flipper. C'est Guillaume qui nous la raconte et il faut savoir qu'il a été enquêteur en surveillance pour des réclamations d'assurance, dont principalement des accidents de travail. Et on le voit venir, il y en a qui sont perdus et c'est normal, mais en gros, son boulot est de vérifier si les personnes qui prétendaient avoir été blessées au travail et percevaient donc une indemnité étaient effectivement blessées. Et il a exercé ce métier pendant environ 10 ans. Et autant le dire, à étudier un nouveau cas tous les quelques jours pendant 10 ans, vous voyez beaucoup de choses bizarres. Par exemple, un jour, il a vu des trafiquants de drogue en plein centre-ville, littéralement à cheval. Il voit aussi des choses effrayantes, évidemment, dans les mauvais quartiers, etc. Mais sa rencontre la plus effrayante et marquante remonte à environ 20 ans. C'était un cas dans une région plutôt rurale, ce qui, en soi, était toujours difficile. Il arrive à 6h du matin, repère les voitures aux alentours et vérifie les plaques d'immatriculation pour voir si elles correspondent à la personne. Ensuite, c'est la routine, il surveille principalement le véhicule enregistré pour voir s'il part. Et bingo, il repère directement une voiture dans l'allée qui est sans plaque, ce qui en soi est plutôt inhabituel. Mais bon, on lui a fourni également l'âge, la taille, le poids de la personne et dans de rares cas, une photo. Donc là, il sait que la personne qu'il doit surveiller s'agit d'un gars dans la trentaine de taille et de poids moyen. Bref, le premier jour, la personne est partie avant que Guillaume n'arrive. Et le premier protocole est de frapper à sa porte pour confirmer s'il est chez lui, rien de bien sorcier. C'est assez marrant, mais il prétend généralement être un livreur déguisé avec un accoutrement bon marché. On est d'accord, c'est complètement lunaire. Mais étonnamment, ça marche. Enfin bon, cette fois-là, personne n'était chez lui. Le deuxième jour arrive donc, Guillaume revient à 5h du matin et à sa grande surprise, une deuxième voiture se tient là. Il s'agit d'un camion, également sans plaque. Et cette fois, il voit le type sortir de chez lui vers 5h30. Naturellement, Guillaume se met à le suivre, mais il le voit au comportement de l'homme, il a immédiatement compris qu'il était suivi. Guillaume en déduit donc qu'il n'est pas net et qu'il part très certainement travailler alors qu'il n'a pas le droit. En clair, il en est presque sûr, il s'agit bien là de fraude à l'assurance. Ayant ses premières preuves, il le laisse finalement partir en essayant de rester discret. Mais bon, travail oblige, il revient le troisième jour dans une autre voiture, ce qu'il devait parfois aussi faire. Cette fois, la personne est partie de nouveau tôt et Guillaume l'a suivi avec succès jusqu'à une ferme dans les collines rurales situées à proximité. Et là, les preuves sont claires. Il a littéralement des rushs de lui en train de travailler dur à la ferme pendant plusieurs heures. Mais l'histoire ne fait que commencer. L'homme finit une nouvelle fois par comprendre qu'il est surveillé. Guillaume, un peu paniqué car ne le sentant pas commode, prend la fuite avec sa voiture. Un peu rassuré, il se dit que de toute façon, l'homme ne pouvait pas soudainement quitter son tracteur, courir jusqu'à son camion et le rejoindre. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Soudain, il se trouve sur ses talons, dans son camion, sur des routes de montagne effrayantes. Guillaume est maintenant vraiment flippé et il continue de conduire et par on ne sait quel miracle, il réussit à arriver sur l'autoroute. Mais le gars n'en a pas fini pour autant. Il le suit pendant des kilomètres et Guillaume n'arrive pas à le semer. Un moment, le type se met littéralement à côté de lui et sort son bras en lui faisant signe de s'arrêter de manière très menaçante. Son visage est déterminé et effrayant et il sait clairement que Guillaume a des preuves contre lui qui lui coûteraient cher à plus d'un titre. Ce dernier, ne sachant que faire, appelle le 911 pour signaler un conducteur ivre qui le met en danger. Mais plot twist, on ne savait même pas que c'était possible. On lui dit tout simplement que les agents sont en fin de service et que donc personne ne peut l'aider. Scandalisé et tétanisé à la fois, Guillaume voit au loin un péage et comprend qu'il s'agit de sa dernière chance. Et effectivement, après ce fameux péage, il réussit enfin à le semer, même si Guillaume le voit toujours au loin. Quittant l'autoroute et voyant une station-service, il remarque avec un grand soulagement un policier et lui raconte toute l'histoire. Le policier en question passe un appel et c'est là que termine sa mésaventure. Peu de temps après, il fait le plein dans sa voiture et part en soumettant son rapport. Son job est fait. Il est sûr que l'argent de l'assurance a arrêté d'être versé. Mais ce qui continue de l'effrayer, c'est que l'homme a maintenant sa plaque d'immatriculation. Guillaume a effectivement peur qu'il réussisse à la vérifier d'une manière ou d'une autre et trouver où il habite. Bref, après toute cette histoire, il a commencé à faire des recherches sur cette fameuse personne.
Parfois, dans ce domaine très particulier, vous apprenez les moindres des méfaits criminels des gens que vous suivez. Eh bien, tenez-vous prêt, parce que Guillaume a appris que ce gars était en fait un criminel endurci et condamné qui avait déjà été en prison. Il était membre d'un gang et un gros consommateur et dealer de drogue. Apeuré par ses découvertes, Guillaume s'est demandé si la personne allait finir par la retrouver. Mais il ne s'est rien passé au cours des années suivantes et il a fini par l'oublier. Et c'est environ 5 ans plus tard, alors qu'il y a eu un autre cas dans cette même région, que Guillaume a repensé à cette affaire. Il l'a donc googlé pour voir ce que les rapports de police révélaient sur lui ces dernières années, et il a tout simplement découvert qu'il était en fait décédé. Quelques années auparavant, il avait pris sa petite amie en otage avec un pistolet et avait tué quelqu'un qui essayait de l'aider. Puis lui-même avait été abattu par une autre personne qui tentait d'aider sa victime. Guillaume est resté bouche bée en apprenant toute cette affaire. Et jamais plus il n'oubliera que dans le cadre de son métier, il a côtoyé la mort de très près. Cette histoire, c'est celle de Alicia, une jeune femme de 30 ans. Vous allez voir, sur le papier, elle semble plutôt simple, mais on a vraiment envie d'avoir vos avis en commentaire. Et surtout, c'est encore une fois un rappel très important, il faut toujours fermer sa porte d'entrée à clé. Pour contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir qu'elle vit avec ses parents dans une petite ville où les gens se connaissent depuis toujours. Et en fait, il faut savoir, sa vie a pris un tournant difficile il y a quelques années, lorsqu'elle a divorcé à l'âge de 27 ans, perdant ainsi sa maison dans le processus. Et c'est donc pour ça qu'elle est retournée vivre avec ses parents, essayant de se reconstruire lentement. Bon, ce n'est pas forcément facile, mais Alicia doit donc de nouveau s'adapter à la vie avec ses parents. Chaque semaine, le mardi et le jeudi, sa mère travaille dans un restaurant où elle a passé les 40 dernières années de sa vie. Et à chaque fois, ces jours-là, elle rentre tard après avoir fait un petit détour par le casino. C'est un peu son rituel qui lui sert d'échappatoire à sa routine. Bon, à ce moment-là, on vous l'avoue, on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais ces jours-là, la mère d'Alicia laisse la porte d'entrée de la maison ouverte. Peut-être que c'est une question d'emploi du temps, peut-être qu'ils n'ont pas assez de clés pour chaque habitant de la maison, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les faits sont là. Bref, maintenant qu'on sait tout ça, passons au récit que Alicia raconte ce soir. Un mardi, alors que la lumière du jour s'efface lentement, Alicia est assise sur le canapé, profitant du calme de la maison. Il faut savoir que celui-ci est placé juste à côté de la porte d'entrée. Et franchement, à ce moment-là, elle est dans un super bon mood. Ses yeux sont fermés, elle profite de la situation, jusqu'au moment où elle entend un bruit. Et c'est un son qu'elle connaît par cœur, parce qu'elle l'entend depuis qu'elle est toute petite, celui de la porte qui s'ouvre. Au début, elle pense tout naturellement que c'est sa mère qui rentre. Elle jette donc un œil furtif et voit qu'effectivement la porte est entrouverte. On est mardi et comme on vous l'a dit au début, sa mère rentre certainement du casino. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ce jour-là, il y a vraiment une ambiance particulière dans l'air. Un frisson parcourt l'échine d'Alicia lorsque d'un coup, elle voit une silhouette à travers l'entrebâillement de la porte. Une silhouette qui n'est certainement pas celle de sa mère. Le regard de cette personne croise le sien, puis la porte se referme brutalement. Alicia sent l'adrénaline monter en elle. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que c'était en fait tout simplement sa mère mais elle avait mal vu? Alicia ne peut pas rester dans le doute. Déterminée à le lever, elle décide de marcher doucement vers la porte d'entrée de la maison. Ses jambes tremblent, elle ne sait pas pourquoi mais elle sent que quelque chose ne va pas. Et alors qu'elle est en train de s'approcher de plus en plus, elle entend du bruit. Il y a bel et bien quelqu'un qui est toujours là, derrière la porte. Toujours aussi déterminée à savoir qui est là, Alicia attrape la poignée. Et c'est là qu'elle entend distinctement des bruits de pas de la personne marcher sur des graviers. Il n'y a maintenant plus aucun doute, il y a bel et bien quelqu'un devant chez elle, et cette personne a ouvert la porte avant de la refermer juste après avoir croisé son regard. Sans hésiter, Alicia a un réflexe. Un réflexe qui, on vous l'avoue, existe surtout parce que cette histoire se déroule aux États-Unis. Ne connaissant pas les intentions de cet intrus, Alicia se précipite dans sa chambre et attrape une arme à feu. Le cœur battant à tout rompre, elle retourne à la porte d'entrée, pointant son arme dans l'obscurité de la maison. À ce moment-là, elle est envahie par la peur. Une fois arrivée devant la porte, elle n'ose pas l'ouvrir, et donc elle décide de la verrouiller. Pendant ce qui lui semble être une éternité, Alicia reste là, immobile, attendant avec son arme à la main. Chaque bruit est ultra flippant, chaque ombre une menace potentielle, mais déterminée et un petit peu choquée, Alicia reste immobile. Vraiment, elle ne bouge même pas d'un seul poil. Finalement, le bruit familier du moteur de la voiture de sa mère la ramène à la réalité.
Un soulagement immense l'envahit lorsqu'elle reconnaît sa mère à travers la fenêtre. D'un geste rapide, Alicia déverrouille la porte et accueille sa mère comme si de rien n'était. Elle prend le soin de cacher son arme ainsi que ses émotions tumultueuses qui venaient de secouer son âme quelques instants auparavant. Et depuis, elle insiste pour que la porte d'entrée soit toujours fermée. Avec du recul, elle n'arrive pas à savoir si sa réaction était disproportionnée ou si ce soir-là, elle avait tout simplement réagi de la bonne manière pour protéger sa famille. Nous, en tout cas, on aimerait beaucoup avoir vos avis en commentaire parce qu'on sera ravis d'en discuter avec vous. Ce récit bien flippant et énigmatique est arrivé à l'une de nos abonnées, très fidèle sur Discord d'ailleurs, dédicace à toi. Lena se souvient très bien de ce qu'il s'est passé, même si les origines de son histoire remontent à une trentaine d'années. C'est une expérience qu'elle n'a jamais pu expliquer et qui continue à la hanter aujourd'hui. Avant de partager cette expérience étrange, elle ressent le besoin de contextualiser les événements et l'environnement dans lequel tout cela s'est produit. Tout a commencé lorsque le père de Lena, alors adolescent âgé de 16 à 17 ans, a décidé de faire quelques incantations au diable. Il décrivait ses rituels littéralement avec ses mots, rien que ça. À l'époque, il habitait chez ses parents, donc les grands-parents de Lena, qui possédaient une grande maison avec un grand jardin. La chambre de son père était à l'étage, accessible en prenant la première porte à droite qui menait à la chambre de sa sœur, donc l'actuelle tante de Lena, puis en continuant dans celle-ci jusqu'à une autre porte qui donnait enfin accès à sa chambre. On le sait et on l'imagine bien, vous êtes actuellement un petit peu perdu dans la géométrie de la maison, mais pas de souci, Lena, cette grande ouf, nous a fait un petit schéma pour nous y retrouver. Bref, après ces incantations maléfiques qu'il faisait juste pour le fun sans y croire, des événements étranges ont commencé à se produire. Toute la famille en a été témoin, sans que son père n'ait jamais parlé de ses rituels. Des bruits inexpliqués pendant la journée, comme si quelqu'un frappait aux portes, ou encore des chuchotements. Et encore une fois, tout le monde s'en plaignait, même si personne n'était au courant des activités du père de Lena et que ses grands-parents ne croyaient pas du tout aux phénomènes surnaturels. Bref, personne n'a jamais eu d'explication et faisant un bond dans le temps de 9 ans. Lena fait désormais partie de ce monde et à 4 ans, sa mère vient d'accoucher de sa sœur et elle séjourne donc à la maternité. Pour faciliter la vie de son père, Lena et lui partent séjourner chez ses grands-parents paternels afin qu'ils puissent s'occuper d'elle notamment, et Lena et son père dorment dans la même chambre pendant leur séjour. Cette nuit-là, elle se réveille soudainement vers 2 ou 3 heures du matin à cause d'un bruit, puis sent soudainement des mains lui attraper les chevilles et la tirer vers le fond du lit. Mais bon, étonnamment, malgré son jeune âge, Lena n'est pas une enfant peureuse, alors au lieu de paniquer, elle dit simplement à son père ce qu'il se passe. « Papa, on me tire par les pieds !» Elle le répète plusieurs fois jusqu'à ce que ce dernier se réveille. Son père, un peu engourdi, essaie de la rassurer en lui disant que ce n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Et Lena, bien que peu rassurée, retourne se coucher sans trop y penser. Et ce qui est drôle, c'est que pendant de nombreuses années, elle a complètement oublié cette nuit. Jusqu'à ce que les souvenirs refassent surface sous forme de cauchemars récurrents lorsqu'elle a environ 17 ans. Vous l'avez compris, elle a le même âge que son père avait lorsqu'il avait fait ses rituels, et quasiment tous les soirs, dans ses cauchemars les plus profonds, elle revit la scène encore et encore. Et tout est d'un réalisme saisissant. Mais ce n'est qu'à l'âge de 21 ans que les événements étranges ont repris physiquement cette fois. Lena est alors étudiante en sciences à Nantes et vit seule dans un petit studio de 25 mètres carrés. Une nuit, alors qu'elle a du mal à trouver le sommeil, elle sent à nouveau des mains lui attraper les chevilles et la tirer vers le fond du lit. Elle reconnaît immédiatement ce qui se passe. Le même événement traumatisant refait surface. Prise de panique, elle se débat de toutes ses forces et court vers la lumière, mais en l'allumant, il n'y a évidemment personne. Malgré son raisonnement logique et pragmatique, Lena n'arrive pas à se rendormir après cette expérience perturbante. Et si vous vous demandez, la porte de son studio est bel et bien verrouillée et impossible pour qui que ce soit de passer par l'étroite fenêtre. En clair, elle n'a aucune explication, mais là, c'en est trop. C'est après cette nuit que Lena décide d'en parler à ses parents. Et ce qu'ils lui ont révélé la marque encore aujourd'hui. Ses parents lui racontent quelque chose de troublant.
Sa mère avait vécu une expérience similaire dans la même chambre que son père, à l'époque où il faisait encore ses incantations. Et pire encore, lorsque sa mère avait senti les mains d'une personne ou d'une entité lui saisir les jambes, elle ne dormait même pas. En y réfléchissant tous ensemble, ils pensent aujourd'hui que quelque chose de surnaturel est intervenu au moment où son père a tenté de contacter l'invisible. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé la moindre explication rationnelle à ces événements. Depuis cette nuit, Lena ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il s'est passé. Ses souvenirs la hantent encore de temps en temps, même si elle approche de ses 35 ans. Un détail qui lui revient en mémoire est le malaise qu'elle ressentait lorsqu'elle visitait la chambre de son père chez ses grands-parents. Elle se sentait toujours observée et parfois elle avait les larmes aux yeux sans comprendre pourquoi, avant même de connaître les rituels de son père. Depuis, elle évite cette pièce autant que possible, même lorsqu'elle rend visite à sa grand-mère. Bref, Lena ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là et elle ne le saura probablement jamais. Mais ces événements étranges continuent à la tourmenter et elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui en est réellement la cause. Bon, on espère la meilleure commu que vous avez apprécié ces 10 histoires. Franchement, nous on a adoré vous les raconter. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Eh bah, je pense tout d'abord que ça fait du bien de vous retrouver au studio pour un thread de 10 histoires que vous semblez vraiment extrêmement appréciées. Et nous aussi d'ailleurs, vous les racontez, mais dans un cadre un petit peu plus tranquille. Surtout que vous avez vraiment apprécié aussi la dernière vidéo qu'on a sortie. Ouais, effectivement, on a été dans un château. Les deux dernières même. Effectivement, on a été dans le château de Maulne. C'était vraiment une expérience super cool. Je pense qu'on va forcément réitérer ça. On ira dans d'autres endroits particuliers comme ça pour... vous raconter des histoires. Ça va être un petit peu notre objectif finalement, de raconter des histoires que vous aimez autant écouter et nous qu'on aime autant raconter dans des lieux un petit peu chargés d'histoire et de mystère comme le château de Maulne, mais pourquoi pas faire d'autres lieux un peu plus insolites. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire là où vous aimeriez nous voir. Effectivement, on avait été à Puymartin aussi pour ceux qui n'avaient pas forcément vu une cet épisode. Vidéo. Un gros épisode. Pas beaucoup marché. Effectivement, mais nous on en est très fiers, je pense que c'est... peut-être une des vidéos dont on est le plus fier sur la chaîne, on l'aime vraiment beaucoup. Mais bref, les 10 histoires d'aujourd'hui, c'était vraiment super cool. Merci à l'abonné d'ailleurs, ouais, très long épisode. Merci à l'abonné qui nous l'a raconté, du coup, l'histoire numéro 10, hyper intéressante. Yes, ça a été raconté sur Discord, donc merci encore une fois à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et encore une fois, on peut avoir un petit peu de retard, mais on lit absolument toutes les histoires et on fait un retour à tout le monde. Donc si vous en avez une et vous voulez passer potentiellement dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous l'envoyer, notamment par Discord, c'est le plus facile pour nous, et sur Instagram, c'est là où vous pouvez le plus facilement nous contacter. Il y en a certains qui le font également par Messenger, ça nous va aussi. En tout cas, nous, on aime beaucoup cette nouvelle DA sur la chaîne. Là, on essaie de faire des concepts du coup vraiment plus longs. Vous avez dû le voir, hein, mais ça dure environ 50 minutes, 1 heure. Nous, on aime beaucoup ça. Carrément. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous appréciez ce format, si vous voulez voir d'autres concepts aussi, peut-être plus documentaires, des choses comme ça, mais toujours en format long. Nous, ça nous intéressera du coup de lire ce que vous pensez. Nous, ce sera un petit peu finalement comme les histoires de films qu'on a déjà sorties. On a déjà sorti 2 épisodes et les personnes qui l'ont vu ont vraiment beaucoup apprécié. Donc, si vous voulez ce genre d'épisode, mais en format beaucoup plus long ou même sur des thèmes un peu plus occultes en général, on pourrait par exemple vous parler de Ouija pendant 1 heure, vous décortiquer tout ce qu'il y a autour de cet univers. Ça pourrait être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. C'est vraiment super important. Et si vous voulez soutenir la chaîne directement, n'hésitez pas à liker, vraiment ça dure une demi-seconde, mais nous ça nous aide énormément en fait, ça met la vidéo en avant, et du coup bah, nous ça nous motive à faire d'autres contenus, travailler comme ça qui durent longtemps, parce que nous ça nous prend aussi énormément de temps de faire du coup des vidéos plus longues. Exactement, et n'hésitez pas également à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça nous aide énormément, et vous serez notifié aussi de toutes les futures vidéos si vous appuyez sur la cloche, et vraiment si toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui l'apprécient effectivement pouvaient mettre juste un like, ça nous arrangerait de ouf, on va pas vous mytho, et on vous affiche également tous les réseaux sociaux sur lesquels on est beaucoup plus actifs. Yes. Vous l'avez vu, on poste tous les jours même, donc n'hésitez pas à les rejoindre, surtout sur Instagram notamment et sur TikTok, vous pouvez être notifié sur Instagram de tout ce qui se passe dans nos vies, en avant-première, de tous les projets et aussi beaucoup plus d'humour et de naturel en fait. Discord, c'est beaucoup plus chill, on est vraiment là pour parler, on discute de tout et de rien. Très souvent d'ailleurs. Directement, on est très présent sur Discord, la commu se reconnaîtra, vous êtes vraiment des ouf.
Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est vraiment très cool. Bref, en tout cas, nous on retourne à nos méninges, réfléchir à ce qu'on pourrait vous concocter pour le prochain épisode. Mais au moment où vous voyez celui-là, normalement on est déjà en train de tourner et vous préparer des dingueries. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage. On vous fait aussi un petit merci pour tous les retours et tous les commentaires que vous mettez en ce moment. Vous êtes vraiment top. Et vous êtes beau, B.O. C'était vraiment plus ça. C'est vraiment ce qui est en train de se passer actuellement. Ah, excuse-nous. Ah, j'ai mal à mes gigatrices, là. Putain. Sérieux, là? T'es sérieux, en fait? En fait, t'es sérieux? Ah, est-ce que t'as des... Je suis sûr que je l'ai. T'as des threads? Ouais, je les ai. je t'avais dit. Sur le trajet, il s'arrête pour prendre son ami Karl, qui habite à seulement 2 petits kilomètres de chez lui, soit 3 minutes en voiture, et ensemble, ils partent en direction. Ok, cette histoire, je vais la raconter comme ça, je te préviens. J'espère que ça passe. J'ai un dossier de 61. Ah putain! Ah, mais du coup, ça gérait, ça rend trop bien, je trouve. Vous avez vu justement, non, putain, c'est trop bien. Joe vient absolument de Mebuli. Au moment où il dépasse la cabane, la porte elle s'ouvre. Et là, il tombe sur un mec qui a Walp. Genre un mec super chelou qui a poil et qui ressemble à Tom Hanks dans Seul au monde. Quatrième histoire, Kratos. Nombre d'histoires qu'on a lues, j'avoue, qu'on a racontées surtout. Putain, on a raconté la vie de tellement de gens. C'est abusé, hein. Et finalement, après quelques secondes de sprint, il voit heureusement un petit chamblin. Chamblin. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que... Wesh. Je pense que l'épisode doit vraiment être... Ça va dépasser l'heure, c'est sûr. Ah, ok, alors regardons les abonnés pour nous motiver. Les deux dernières histoires. Qu'est-ce qu'on a fait d'un abonné? Le tabouret sur lequel on tourne est en soi très peu confortable. Et je suis assis depuis 30 minutes, me tenant bien droit, ce qui me provoque des légères douleurs. C'est satisfaisant, ça. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il a pas été là-bas pour allumer la caméra. Mmh. Ouais, je dis ça. Il arrive pas à H10. T'as 10 secondes pour commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bon, on espère la meilleure commu que vous avez apprécié ces 10 histoires.